Salut à tous, nous trappe le matin d'alerte et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play de Xenoblade Chronicles 3. Donc vous voyez que là, j'en train de préparer un repas. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer où aller farmer pour passer du niveau 70 à 80 à peu près. Hein. Ça c'est selon vous, vous verrez bien. Donc on fait un plat qui nous apporte 20% d'XP et puis un petit bonus de 10% d'amélioration butin, ce qui est toujours hyper intéressant pour le crafting, même la cuisine. Donc voilà, à n'importe quel camp si vous avez la recette. Ensuite, on va vous montrer sur la carte où vous pouvez vous TP pour aller farmer. Alors, vous voyez là, canopée de l'éternité, donc la carte est tout sauf claire. Hein. Pas se mentir. Alors, donc, suivez bien le cheminement. On va arriver à une corde. Donc, évidemment, il faut déjà avoir la compétence, mais bon, à ce niveau, vous êtes 70, vous l'avez forcément. Et voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle louper. Quand on veut aller trop vite. Et on n'est pas capable de sauter sur une corde. Donc on reprend, c'est pas bien grave. Donc sautez bien sur la corde et vous allez arriver dans un petit îlot de Lefteria, Cadentia. Voilà, où c'est mais blindé de monstres et de monstres qui vont vous permettre de farmer, pas farmer que les levels. Il y a des monstres hyper importants pour tout ce qui est crafting de gemmes. Donc voilà, regardez la diversité des monstres, c'est assez impressionnant. Donc, il y a Godzilla, il y a King Kong, il y a un peu de tout. Hein. Mais en plus, celui-là c'est un élite. Hein. 75. Ça, et quand il me découvre, ça je vous l'ai déjà dit, il y a élite et élite. Pour un moment, il y a des 75 qui se battent hyper facilement. Celui-là, c'est pas le cas. Il résiste pas. Et on voit pas très très bien les attaques. Je vais rapprocher la caméra. On va rester au même endroit. Sachant que voilà, si vous arrivez au niveau 108, 104, vous savez pas que vous attaquez contre le demi ou celui-là, vous allez dans le bassin, vous avez toutes les espèces des aquas, ça ressemble à des coques, on va des portes, des coras et eux se laissent assez tuer, assez facile, quoi, ça, Vous voyez, plus de 5000 d'XP. Bon, on est déjà 75. Forcément, si vous y allez 68-69. Et que vous prenez en plus un bonus d'XP, ça va être plus intéressant. Mais ça en reste pas moins intéressant, hein. Même au niveau 75. Si vous voulez monter jusque 80, ils sont tous en train de se faire la guerre. Donc,
évidemment celui qui est donné. C'est moi, je trouve. Il est plus sur le droit de taper. C'est un nouveau mob. Hein. Moi, il y a eu des avis. Ce qui est cool, hein. Ça peut être. Je sais, par exemple, on doit crafter quelque chose et puis va te d'artistes, c'est ça. C'est voilà. Les mobs que je connais, ben, ça a quand même ça. Pas forcément les trouver, hein. Bon, si je les ai vus une fois sur la map, là par exemple, c'est pas. J'insiste. Tapez un maximum de parce que lorsque vous allez frapper les gens, on a passé vraiment la quasiment la journée à monter les gens qui vous apportent un peu de ça. Vous apportez des boulots sur 5 minimum, 7. Ça fait du temps. Et à aller chercher du stuff d'art, mais qu'il fallait en mode violet, tout ça, le noir. Ça, c'est très 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 classique. Voilà. J'essaye de taper un maximum. Je vois parce que je l'ai fait, mais je l'ai pas autant fait. Si c'était parti voilà, tout seul, ça aurait pu être pas mal. Parce que je pars, c'est pas sympa. Mais si je joue tout seul, chaque fois, ce qui permet aussi de performer 20 fois les mêmes mobs, à peu près. Vous voyez là, c'est un peu plus là. Je me disais, ouais, ça rigole vraiment pas sur ce type. On est gerbé. Il faudra aussi qu'on surveille les armes. Parce qu'on avait 84, 3, là on avait. Ça doit être pas mal. On double nos points argent et c'est bien dommage de les perdre. D'autant que maintenant on a pas mal de nos héros qui ont vu leur classe passer de 10 à 20, repoussée. Autant les dépenser pour augmenter les classes que de les perdre. Hein. Le perso, je l'aime pas trop en soigneur. I'll protect you. Après, on a. On a Gré qui est passé niveau 20. Tayon qui est passé niveau 20. Support, yeah. Got it. Le problème c'est qu'il faut toujours essayer d'avoir une. Malgré l'apprentissage des classes, il faut toujours essayer d'avoir une équipe plus ou moins cohérente. Parce que bah, voilà, si vous allez par exemple la farmer en l'occurrence. Si vous avez une équipe n'importe quoi avec quasiment que des soigneurs, forcément ça va pas être pertinent. Et vous prendre une raclée, ça sert à rien. Donc, il faut essayer d'avoir une équipe cohérente et surtout lorsque vous allez taper, vous allez farmer comme ça, ou vous savez que ça va être des combats au début, si vous arrivez niveau 68, ça va être des combats assez longs, hein, forcément. Vous allez devoir faire des enchaînements. Essayez de choisir un bon héros, celui qui vous convient le mieux. Pour les enchaînements, hein, que vous savez que comme Monica par exemple, hein, moi je vous déconseille fortement Triton, ce genre de perso. Here we go, guys. Okay, let's go, Noah. On va aller dormir tranquille. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire des mobs pour certains mobs qui sont rapides. Et il y a un miracle.
les requins, là, les gros requins, ils sont dans la partie. Oui, c'est cette île des lits. D'ailleurs, n'hésitez pas, si par exemple vous bloquez sur, sur quelque chose, vous bloquez sur. Je dis, on est arrivé à peu près niveau 7 au gem. Si vous bloquez sur un mob que vous n'avez pas trouvé ou quelque chose, n'hésitez pas à vous commenter sous la vidéo et on va vous plaisir de répondre. Parler de l'écran en même temps. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal. On se partage en fait nos meilleurs enchaînements. On va peut-être faire ça sur. Sur Twitter, vous demandez de faire des enchaînements jusqu'à combien de sang vous avez réussi à monter. J'adore ce que vous êtes pour le cœur. J'ai pas une seconde qui a de bien meilleur pour ma compte. C'est pas l'enchaînement du siècle. On est là. Voilà. Et plus de 5 000 XP.
montrer quand même dans le dans l'eau. Alors, je l'ai sélectionné pour pas voilà. Alors, les aquarmas, nous on en avait besoin pour les gemmes. Donc il y en a mais masse ici. Et ils sont franchement même quelques la team en face, il y a des gens pas chercher de plus loin. Mais c'est pas les plus agressifs. C'est des plus agressifs. Il y a les nouveaux. Vous allez vous farmer sans faire sans si vous ne vous sentez pas du niveau, si vous êtes niveau 70, vous déjà j'arrive pas, essayez peut-être les accords pas. Parce qu'ils sont quand même pas très très agressifs. Et surtout, ils drop les stocks de tout ce qu'on avait besoin pour les gemmes. Vous voyez, ça descend pas mal. Hein. Le bug je crois qu'il était 75. Là, lui, il est 73, il se descend très vite. Et du coup, il est facile, il ne peut pas de plus. Voilà. Et c'est un élite, pourtant. Hein. Il vous rapporte moins d'XP. Mais c'est toujours pareil. Hein. Donc voilà. Je vous ai montré pour farmer au niveau 70-80. Peut-être taper, hein, essayer de faire un Godrill parce que de mémoire pas sûre et certaine, mais il me semblait que les Godrill ramenaient plus d'XP. Ça, je vous l'ai toujours dit. Hein, à mob level équivalent, on gagne pas, on n'a pas la même XP, c'est pas la même difficulté. Là, je vous ai montré les aquarmas parce que j'estime que ben, si vous avez envie de venir farmer en difficulté moindre, c'est vers là qu'il faudra aller. Après, si vous êtes des fous et que vous dites oh, moi je veux, j'aime bien le challenge, on va plus se diriger vers le Godrill. Je vais voir s'il rapporte plus que Godzilla. Si King Kong rapporte plus que Godzilla. Alors, j'ai cru voir un conteneur là sur un... De toute façon, elle laisse ouf les cartes. C'est... Attention, hein, j'entends souvent dire oui, c'est beaucoup plus sombre. Moi, je trouve pas l'histoire du 3 plus sombre que celle du 1, que celle du 2. Souvent je dis que par contre les décors étaient beaucoup plus colorés dans Xenoblade Chronicles 2, même dans le 1, franchement c'était beaucoup plus coloré. Dans celui-là c'est clairement post-apocalyptique entre guillemets, quand on voit qu'il y a eu du grabuge. Mais moi je maintiens que l'histoire du 1 et l'histoire du 2 étaient tout aussi, aussi dramatiques. Par contre dans le 2 il y avait énormément de choses. Et il y avait des lames très comment dire, trompeuses. Et donc peut-être que ça peut vous donner que les gens qui vont s'expliquer léger, loin de là. Ceux qui vont jouer à le scénario, regardez les cinématiques, vous confirmez que ça n'a rien d'un scénario. Le 3, à partir du chapitre 5, vous allez être. C'est ce qui se passe à partir du chapitre 5. Mais c'est pas tout. Alors, donc tu rapportes combien lui en XP? I'm the girl with the gun. 2128, donc non, au final. Au final maintenant voilà, on peut voir qu'en fait celui qui rapporte le plus c'est Godzilla, donc ensuite King Kong le Godrill, et bon troisième
bon troisième les Aquaman, mais voilà, si vous y arrivez bas de niveau, je vous conseille quand même d'aller faire plutôt les Aquaman qui ont moins de résistance. Qui ont moins de résistance, qui sont moins. Vraiment la plaisir que vous drillant. Je pense même plus à Zero Chat, il faudrait que je sauvegarde. Moi j'ai perdu des dizaines d'heures de jeu. Hein. Donc rien que ça, ça a facilité. Et voilà, je l'ai décrit plusieurs fois la façon dont j'ai facilité que j'ai fait le 3. C'est pas, pas en termes péjoratifs, je dis ça. Il y a des défis très bien. Comme par exemple. L'entente entre les colonies, vous savez, dans le 1, il fallait aller parler à chaque personnage et lui donner les objets depuis le matin, ça y est, ça se fait automatiquement, on va sur les quêtes, on va escalader. Après, il y a des objectifs, par exemple, on va pouvoir mettre des marqueurs sur la map, c'est pas fou. Pas pouvoir switcher d'une map à l'autre sur l'écran, c'est-à-dire prendre la marche arrière, c'est pas fou. J'avais encore un autre point, j'avais dit que c'est pas fou, je voudrais que je commence à noter pour le test les points positifs et les points négatifs. Il y avait un autre truc où j'avais dit que c'était pas fou. Par exemple, sur la carte, je trouve que les repères, je crois que c'était ça que j'avais dit, les repères, c'est pas toujours très clair. À trouver. Il y avait des repères. Ah oui, c'était pour les uniques que je me plaignais. Je trouvais que, alors les uniques, j'aimerais bien. Je sais pas pourquoi je dis ça comme si on allait m'écouter. Je trouverais ça bien si par exemple sur un unique, sur les deux, je parle du Gonzalez l'immuable, qu'à côté on te mette voilà le drill et je le réclame à corps et à cri depuis le 1, un bestiaire. Je veux dire, c'est fou, vu le nombre de monstres qu'il y a, vu la taille des maps, on n'est pas fichu bestiaire. Quand tu dois retrouver une Xeni, je sais pas, n'importe quoi, et que tu as des maps de malades, que tu dois retrouver une patte argentée de bestiole, tu sais pas où elle est, mais t'arraches les cheveux. Un bestiaire. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de bestiaire. Voilà, c'est un point négatif. Donc, je vous ai montré comment farmer. Vous pouvez y aller. Franchement, c'est à vous de voir. Vous pouvez y aller niveau 68. C'est vraiment comme vous sentez, le niveau de vos gemmes. Si vous maîtrisez bien les combats, c'est à vous de gérer. Moi, je dirais niveau 68 et vous pouvez farmer jusqu'à 80. Donc, on va vous remontrer dès qu'on aura arrêté de nous attaquer. C'est pas forcément tout le monde t'attaque. Hein. Je vais attaquer tout le temps. Donc, on va sortir de là et je vais vous remontrer sur la carte où ça se trouve exactement. N'oubliez pas hein, d'aller cuisiner votre plat pour l'XP. Parce que ben, c'est toujours ça de prix. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Ils ont arrêté de nous poursuivre. On va grimper ça. C'est que ça, pour les descendre, j'ai toujours pas pris le pli. Hein. Je me casse la gueule 9 fois sur 10. C'est génial. Toi aussi, mettre un A descendre. Voilà. Bref, allez. Ouais, on monte, c'est pareil. Ah, et en plus. si vous vouliez nous voir, je vais voir dégueulasse en direct. C'est parti, unique. pas venir. Ah, ça demandait de la concentration. Il est 66. Et en plus, il a sa petite famille.
Pas prévu. C'est camarades de venir. Et c'est petit là. De toute façon, quand il y a un... quand il y a un fragment... là, il y a... c'est même si... Let's go to Marche Advent.
c'est un bel enchaînement. Et papa. Malade, hein. Là, il est passé en mode enragé. Mais on l'a pas mis là, ben. Je vais essayer de partir sur la prochaine. Il est et la moindre erreur, ça va pas de fait. Voilà. Là, c'est enragé. Ça va. J'essaie d'y aller. N'a pas été réactivé. Ça, c'est. Si t'avais pas réactivé, c'est parce que. Je sais que ça va être moins bien, chef. Pas de panique. Hop. Alors, il ne reste plus rien. Ah, c'est moins facile, hein, d'attendre 50. Ça va être moins facile. L'importance de choisir correctement son nom. N'hésitez pas à me dire quel est votre héros préféré. Sans que vous soyez la fin, si vous avez déjà fini. Jette un malédiction sur une génération. Ah, qui a été réactivé. Il est capable à 90 des cas. Hein. Allez. C'est là, match. Comme ça, je l'adore, hein, mais voilà, ça c'est. Parfois c'est comme qu'elle réactive. Là bas, bon, ça va, c'est bon, ça va, mais c'est vrai que t'as une super bon. Mais comme c'est un soigneur, ben rien, il est capable à 99, hein. Donc, en fait, Taillon, tu peux faire le mettre au soigneur, ça passe et de base sa classe, mais... Keep breathing.
J'adore son chapeau. Voilà, chapeau terminé. Voilà, il est... Voilà. Donc vraiment, pas mal du tout. Hein. C'est pas sûr, mais une belle victoire. Donc, un point de TP. Donc, à la base, voilà. Je voulais vous montrer sur la carte, donc, pour farmer. Je vais vous montrer. Donc, alors, voilà, carte de la zone. Donc, à Cadencia, hein, la carte que j'appelle Splatoon. Vous voyez, avec toutes les... tous ces passages-là. Donc, vous venez... TP ici, vous passez la corde et vous arrivez sur cette espèce de d'îlot où c'est blindé de monstres. Donc j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt les amis.